Bienvenue sur le circuit Paul Ricard. N'hésitez pas à aller sur le blog JB Emerick pour voir les cours de pilotage qui sont gratuits. Présentation des trajectoires sur le circuit de karting au Paul Ricard. Donc ici, premier freinage très important. Ne pas hésiter à aller sur la gauche de la piste et dépasser les bandes bleues. Voilà, ici le point de corde. Donc ça passe assez vite quand même parce que c'est un virage rapide extérieur. Là, le gauche, ça passe à fond, sans souci. Donc, bien reprendre l'accélérateur. Là, vous avez un freinage important avec les roues droites, donc au point de corde, ici. Voilà. On reprend vite l'accélérateur et on passe à la corde, ici aussi. Voilà. Ensuite, extérieur, on revient sur la droite de la piste. Donc avec un karting 4 temps, ici ça passe à fond et on va aller chercher le freinage juste avant le deuxième virage, là-haut, ici, voilà, parce que le deuxième gauche referme un petit peu, on plonge à la corde, on va rester un peu à la corde là sur ce virage. Ici on a une partie assez rapide, donc il faut essayer de se positionner rapidement sur la gauche pour aborder le droite qui suit. Ici, voilà. Donc, et après, on va aller à l'extérieur pour faire un freinage. Là, voilà. Et après, on plonge pour passer à la corde. Ici, on laisse un peu aller le karting à l'extérieur. Freinage, car celui-là, il referme un peu. On se remet vite sur la droite de la piste pour faire un gros freinage et aborder cette épingle à gauche. Là. Point de corde, voilà, ici, extérieur, et là on va rester sur la droite de la piste parce que c'est assez rapide, donc voilà, et on va faire un gros freinage ici, et ensuite on tourne pour aborder cette épingle qui est à gauche, là, voilà, donc point de corde qui est là, et on laisse un peu aller le karting à l'extérieur, le droite ici. Donc on fait le freinage à gauche où il y a le karting. Voilà. Encore une droite. On essaye de passer très vite ici parce que ça va conditionner la ligne droite qui suit. Saler le karting bien à l'extérieur. On regarde de loin les vibreurs pour passer près ici et on a fini le tour. Pensez à vous abonner pour découvrir d'autres circuits.